Germain, donc, de rester en forme. On se fait mal ni l'un ni l'autre. Et ça donne une idée, hein, c'est une belle illusion de l'aïkido. Enfin, c'est l'aïkido pour certains. C'est un piège incroyable. On tombe dedans quasiment tout le temps. Donc, bon, il y a ceux qui forcent, qui brutalisent leur partenaire, c'est une autre chose. Et puis il y a tous ceux qui font ça. Donc on met, on peint. Het gaat nu om steeds beter, het is een rol die wel goed ligt en samenwerken gaat steeds soepeler en het is gewoon echt ontzettend leuk om dit te doen. En het is ook het ziet er zo uit alsof je aan het aikido bent, dat dit een grote val is waar je in kunt trappen. Ja, je kan er een soort dans van maken op deze manier. Hè? C'est le même rythme, c'est les mêmes formes. On va au même endroit. Il voit tout. Ça marche. Het werkt, hè? Ze zijn een beetje dans geworden. Iedereen weet precies wat ze rond is. Het werkt. Et ça ne peut pas ne pas marcher, c'est pas possible. Si ça marche pas, c'est que vous faites plus la même discipline. On est en train de réciter une forme qui a toutes les qualités que l'école prétend. Présence, martialité, technique, angle, tout est là. Donc on n'a rien à remettre en cause, on récite ensemble et à force de réciter, ça va fonctionner. Toutes les formes possibles et puis le jour où il faut s'adapter, il faut trouver, piocher la bonne technique dont le répertoire a pris par cœur. Als je op deze manier een krijgskunst leert, dan betekent het dat je een ongelooflijke hoeveelheid technieken heel precies uit je hoofd moet leren. Zodat je in iedere situatie een vast omschreven serie bewegingen paraat hebt. Je n'ai pas changé la distance et l'amplitude, mais en revanche, je me fais très lentement. Il n'est pas habitué à la technique, il n'y a rien à faire. Là, tu fais, mais on est ensemble. Je ben nu niet de technique aan het uitvoeren. Ja, je doet hem wel, maar je doet hem samen. Un tout petit peu plus rapide. Il n'y a pas de contrainte non plus. J'insiste, parce que c'est vraiment fondamental si vous avez compris comment on pratique comme ça pour en tirer tous les avantages. Ça peut être vraiment bien. Je montre. Avec ça, c'est notre possibilité. On a fait de l'avance, mais regardez, si j'avais voulu, j'aurais voulu faire du mal. D'accord ? Bon, il est là, c'est lui qui peut nous frapper. Donc. On peut après s'arrêter, casser cette harmonie pour montrer des failles, par exemple à partir des atténuants. Si als je die harmonie goed hebt bereikt, kan je vervolgens die breken en punten laten zien waar een houding niet klopt. Tout le temps ensemble, c'est ça la forme. Je peux aller plus vite, hein. C'est pas un problème. Je ne vais pas jusqu'au bout, ça me fait gagner du temps. Donc, ce que je vous dis, c'est que on peut s'arrêter là. On peut atténuer ici. On y va. Attention. Là. Là. Et ça. Mais ça peut être mieux. Donc, ça. Il y a plein de moments où on peut arrêter et montrer des choses. Mais encore une fois, il faut d'abord que le kata... C'est le point waarop je hem kan stoppen om te laten zien dat er een gat zit. Exact. Quand il est menacé ici, il doit kata. Il lit, donc il va.
jamais dit, pour de vrai. Want anders zou iemand nooit tot een vorm komen. Die vorm die moet er eerst zijn. En dan ga je pas puntjes aanwijzen. Forme, notre relation, l'harmonie, le mouvement, le corps se forme là, parce qu'il n'y a aucun heurt et qu'on voici tous les deux le kata qui est dans l'école. On fait ça avec tous les katas, il y en a 10, 100, peu importe selon les styles, on doit tous les connaître. Pour ensuite, ça c'est une vision d'adaptation, on s'adapte quand on a le bon outil. Arrive une situation, il faut que j'ai le bon outil. Voilà. Et la bonne technique, c'est pareil. Et donc il faut que la technique marche, et dedans, elle a chaque kata a en lui-même 10 formes, 30 formes, 2 formes, par exemple. Et donc on peut prendre l'outil, la technique, et l'utiliser à bon escient. C'est le pari de cette façon de travailler.